Allez, c'est parti les enfants. Hein, ça sert à rien de tergiverser. On va aller lui faire sa misère. C'est la grosse arène de combat. Il n'y a que deux fleurs. Hein. Et là, il y a des flammes partout tout autour. Ça veut dire une arène de Koh-Lanta là. Bon bah allez, écoute. Mais non. Non, tu fais une impulsion, ça suffit. Même pas. Genre il se passe rien. Genre faut que je continue. Ah non, c'est vide par là-bas. Pourtant j'ai les trois reliques. On est bien d'accord que j'ai... Oui, les libérer Taro, on est au bon endroit. Ah, j'avais pas vu, faut interagir. Je suis con, moi. C'est large, ça. Your will is strong, spirit guide. Oui, je suis têtu. The power of the mountain shrine is mine. Non, même pas en rêve. I took it to save my people. Oui, mais il y a pas ton nom marqué dessus. It's time, Toshi. Ouais, l'heure est venue. Let go, and we can restore your home together. L'heure du hard reboot. You wanna challenge me? Oui. Come. Come on! Bon, bah on va en chier les enfants, je vous préviens, je sens qu'on va en chier. Bonjour. Ah. Ok, ah oui, ah bah déjà. Putain, ça fait pas de dégâts. Et un petit peu quand même. Ah, le salaud. Ah, le salaud. Bon, dans ta face. C'est bien. Oula, il est où? Bon. Oula. Des missiles à tête chercheuse. On aurait dit les bites, mais c'est fait pas mal. Mais t'arrêtes, ouais. Ah. Parce que celle-là, elle fait mal d'attaque. Voilà. Oulala, petite fleur. Et pour l'instant, la vie descend. Mais tu me suis pas comme ça, mais ça va pas, non? Mais ça va. Mais. Oulala. Ah, ouvre ta face. Allez, tête chercheuse. Oh, il est où? Il est où ce con? Il est là. Nouvelle attaque, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Arrête! Là, cette fois-ci, je vais t'achever! Ah non, ou pas. Ah, c'est la fin! Taro! Toshi! J'en veux définitivement l'appeler Toshi. Taro. Enfin, bref. Ah. Utilisons les rots. Et libérons-le! Il est temps de le libérer! Allez, les rats, les tirates! Mes tirates!
Putain, il est vivant. Ah, déconnez pas, c'était que la première phase du combat, je sens. The rot are quite powerful. Oui. But I have faced them once before. Ah non, ça, alors ça par contre, c'est... You non. May think you know these creatures. Ben je veux, mon neveu. Let me show you their true nature. C'est une vraie allégorie de François Hollande, hein. Ah non, on va pas... Non, mais il va pas me piquer mes rottes, ce con. Oh putain, il m'a piqué mes rottes. Je me disais, il était trop facile à battre. Je me sens à poil, là, sans les rottes. Ah mais oui, mais il y en a plus du tout. Confronter Toshi au temple de la montagne. Bah on y va, sachant qu'on a plus un rot avec nous. Mais que dalle. Hein. Bon bah allons-y. Boum. Wow. Temple de la montagne. S'en vont devant moi les esprits. Elle est là la vraie arène de combat. D'accord, elle est là la vraie arène de combat. Ah putain, puis il n'y a pas une fleur de vie à proximité apparemment. Mais rends-moi mes rottes, ils sont à moi les rottes. Je me suis fait chier à les ramasser partout, ils sont à moi, salaud. Oui, oh, ça va, ça... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un rod possédé, un rod primordial démoniaque. Ah oui, tous des rods corrompus, d'accord. Oula, oulala, oulala, oulala. Comment j'ai réussi à lui enlever ton vie la première fois? J'ai visé, ah oui, c'est ça y est, j'ai. C'est ça. Ah ouais. Ah, ça te calme d'un seul coup, hein. Ou pas. Re-bonjour, monsieur. Attends, il est où? Vague d'ennemis. Là, il y a les pangolins de l'espace dans tous les sens. Je ramasse des petites pastilles dorées comme d'habitude, sauf que comme j'ai plus un rot avec moi, ça sert strictement à rien. Et en plus, ça me refile pas de vie. Il n'y a pas de fleur de vie, c'est l'enfer. Ok. Passage d'un sanctuaire suivant, je vais quand même ramasser même si ça sert à rien. Ma vie a déjà bien baissé. Oh. Putain, on va se rattraper tous les ennemis qu'on a croisés dans le jeu, c'est pas possible. Ah mais ma vie baisse pas. J'ai vu ma vie trop baisser. Attends, lui, de toute façon, il sait ce qu'il faut faire. Et oui, il a bougé au mauvais moment. Voilà. Voilà. Putain, il m'énerve l'autre. Commence à me fatiguer.
Ah si, là, ma vie a baissé. Allez, ça suffit. Bordel. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, j'ai récupéré des rottes! Je les ai libérées de l'emprise du dieu des rottes corrompues! Ah bon, on a récupéré un petit peu de nos compétences en fait, c'est ce qui va se passer, je pense, arène après arène. Alors voilà lui. Attention, il va. Attention, attention. Eh, tu me lâches! Ah, saleté! Voilà, j'ai vu le point faible, on l'a eu. Merde, faut qu'on aille sur le côté. Ok. Yeah. C'est génial. C'est ça change d'un combat de boss classique où c'est que même s'il a une, deux, trois phases, t'es dans la même arène et tout, là au moins ça varie. À chaque phase, tu récupères des trucs, t'avances, t'as des. Franchement, bien réalisé. Allez. Allez, là on va y aller de fleur en fleur. Ah, on a intérêt à se dépêcher. Puisqu'en fait, à chaque fois, les plateformes semblent se casser la gueule si on reste trop longtemps. Ah, ou pas. Non. Ah merde, ça marche pas. J'aimerais, mais j'arrive pas à le balancer sur lui. Loupé. Non, ça veut pas. Oh putain, serait-ce un combo Alors attends. Non. C'est, ou alors là, il y a un truc qui me manque encore. C'est tout à fait possible. Ah, ou alors il faut que je le démarre avant. Ah, il faut que je sache à quel moment le démarrer. Il doit y avoir une étape sur laquelle on est plus près. Et ça y est, on s'est voté. C'est ça, ça. C'est les plateformes se cassent la figure au bout d'un moment. Mais l'autre, elle s'est cassée la gueule devant nous. Mais ça n'a pas de sens ce qui se passe là! C'était bugué le machin! Les plateformes se cassaient la gueule avant que je pose le pied dessus! Comment tu veux que je fasse ça? Je peux pas, je suis beaucoup trop loin. Ah, c'est ça. Ok. Ouh.
Là-bas. Ah non, t'as... Ah, ça y est, j'ai compris le truc. Oh, punaise. Oh là là, faut recommencer tout en plus. Oh, c'est chaud, patate. Ok. Ok. Mais ok. Ok, 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 ok. Sortez de là. Tac. Voilà. Mais non, mais. Ok. Et s'il te plaît, fais gaffe à ce que tu vas faire, papy. Oui. Ah, tu croyais m'avoir comme ça, mais même pas en rêve. Ah, je vais encore libérer des rôtes à moi, des pirates à moi, voilà. J'ai récupéré tout mon power. Impulsion. Et maintenant, je vais t'achever. Rate primordial corrompu. Allez, lève-toi, sale bête. Il est où le point faible? Putain, je le vois pas le point faible. Ah, ah, ah. Ok, faut se faire toutes les vagues d'ennemis là. Pas eu pourtant. Ah putain! Ok, à quel moment elle se met en route la fleur? Reviens dans la zone, mon salaud! Putain, j'y arrive pas là. Je comprends pas bien là. Que là, ça j'ai compris. J'arrive à m'en sortir pas trop mal. Non, ça ne touche pas. Hein. Là, j'y arrive pas. Il y a un truc dans le dos là. Ok, ça c'est bon.
Allez, viens, mon gros. Ah! D'accord! Donc, il y avait bien un truc. Dégage, 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 Lina. Il y a un autre truc ou pas? Oui, il y en a d'autres, des trucs. Là, 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 oh, là, oh, là, là. Vas-y. Vas-y, mon petit Rot. Parfait. Oh, dégagez. Dégagez de là, sale bête. Attention. Ok, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas la fin du monde. Ah, tu me pousses pas hors de l'arène, s'il te plaît. Je crois qu'il en reste un de machin là-haut là. Il en reste pas un. Il en reste pas un. Si, il en reste un. Allez-y, enlevez-le. C'est fini. Bicorne de papy. Putain, j'ai eu du mal à comprendre le truc là. J'ai vu le gros machin qui dépassait derrière qu'à la dernière seconde. Je l'ai eu. La fleur. Et des corruptions au dieu des rottes. Restaurer l'équilibre. Ah, attendez, parce qu'il y a peut-être encore l'autre. Hein. Il est là. Il est là encore. Il est encore là. Attention. Attention. Quoique la petite flèche dit qu'on peut dialoguer avec lui. Il se serait détendu. Yoshi ? Ah, on dirait que oui. Il a plus les yeux rouges. Our ancestors trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village. Gave us life. Strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why he would betray us. Our home was crumbling. And the people looked to me for answers. We should do nothing? You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Mais pas du tout. Lead our people. And they will follow you. Et lui, il a fait le mauvais choix. Eh ouais. Zajiro, you have the power to stop this. We should try it out. Put down the staff, Toshi. I will end this suffering. Ouais, eh ben loupé, hein. Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est?
Why are you punishing us? Why? What did we do? Answer me. How many people must die? Why? Tell me! Listen to me. Il va vraiment te prendre un coup de queue dans ta gueule. Le dieu des rats est un chat en fait. Ah, et voilà comment il l'a corrompu ce coup. Même un peu, je crois. C'est là que tout est parti. Il a raison. Il a totalement raison. He understood the rot god's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? Ah bah au moins 3 en comptant la tienne. Taro, Adira et toi. I'm sorry, Itachi. Et tous ceux du village quand même. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural. But it can imprison us. Change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Salut. There is only one spirit left for you to help. Le tien. Ok, allons-y.
Goodbye, little friend. Mais oui. Et ouais, c'est fini. Si sur cette belle image que c'est fini, et ben voilà les enfants, on aurait été au bout. Un petit peu plus long que ce que je pensais au départ, mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas été bon aussi à certains moments. Un jeu, alors, qu'en dire vite fait, du bien et quand même du moins bien, hein, disons-le. Du bien déjà, graphiquement, c'est juste magnifique. La musique, sublime. Les animations, tout ça, c'est au top. Techniquement, franchement, relativement propre. Un ou deux petits bugs, mais rien d'extraordinaire. Et puis pour un jeu qui reste un jeu indépendant, franchement, rien à redire. Il y a bien des studios, ça je le redis à chaque fois que je fais des petits jeux comme ça et qui sont superbes. Il y a bien des gros studios avec des milliards derrière et des milliers de développeurs qui feraient bien de s'en inspirer pour faire des trucs un peu plus propres que ce qu'ils nous vendent. Bref, ça c'est le côté très sympathique, le gameplay assez chaud, mais alors, et ça va faire la transition avec les éléments un petit peu moins bien, assez inégal, je dois dire, dans la progression, dans la difficulté. J'ai hyper galéré sur certains boss dès le début, et il y en a eu d'autres qui par contre, plus loin dans le jeu, étaient finalement assez simples à battre en fait. Je suis assez étonné quand même, il n'y a pas une progression, vous savez, classique, où vous commencez par des ennemis faciles, puis des moyens, puis des difficiles, et vous grimpez comme ça en compétence et vous grimpez en difficulté. Là, c'est assez inégal, il y a des ennemis des fois qui peuvent s'avérer hyper robustes et compliqués dès le début du jeu, et d'autres beaucoup plus faciles par la suite. Il y avait un des premiers boss à la con, hein, un des premiers ennemis qu'on a d'abord en groupe, parce que le principe du jeu, c'est que vous avez un gros ennemi, et après vous avez le même ennemi plus tard dans le jeu, mais en version plus petite et régulière, qui m'en a fait beaucoup baver, alors que quand on a libéré Taro, par exemple, Taro, ça a été une facilité déconcertante. Kadira, j'en ai beaucoup plus bavé. Voilà. Sinon la fin, notamment la fin, le boss final, très bien foutu le boss final. Alors, j'ai eu du mal à comprendre l'histoire des espèces de pics qu'il avait plantés en lui, mais la progression avec à chaque fois une nouvelle zone et puis une nouvelle phase de combat, mais pas au même endroit, pas de la même manière, c'était vraiment vraiment bien fait. Moi je suis quand même bien fan à la base, mais il reste une ou deux petites choses qui me déplaisent un petit peu, ou en tout cas qui me laissent un sentiment d'inachevé. Le premier d'entre eux, c'est le lore. Ça a l'air d'être un monde absolument féerique et démoniaque en même temps, mais on n'a pas assez d'éléments, je trouve. Kina, elle arrive, on n'a pas d'éléments de contextualisation, pas trop, on en a un ou deux. On a compris qu'elle avait repris le flambeau de son père qui était mort. On l'a vu à un moment quand elle était toute choupette, mais on n'a pas plus d'éléments que ça sur son histoire. Et on ne sait pas vraiment ce qu'elle vient faire ici à la montagne. Et ça, c'est quelque chose qui reste un petit peu trop en suspens et qu'on comprend pas trop. Après, le scénario en lui-même, il est un peu basique.
pas se leurrer, on arrive dans le village, on te dit qu'il y a des esprits à libérer, ok, tu libères les trois esprits, tu comprends l'idée du village, tu finis par aider le village et à reconstituer le truc, ok, c'est sympa, mais il n'y a pas une vraie histoire, il n'y a pas un vrai scénario super bien construit, c'est ça que je trouve un petit peu dommage quant aux personnages. On les approfondit pas assez, Kina donc la première, puisqu'on n'a pas son histoire. J'espère qu'il y en aura. J'espère qu'il y aura une suite, j'espère que vu la réussite, parce que visiblement il a quand même bien marché, il a tapé dans l'œil de pas mal de monde, parce que franchement il est très joli, j'espère qu'il y aura une suite, et j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus. Alors c'est ce qui fait aussi que je crois que certains ont un peu moins aimé, parce que bon bah on, voilà, elle est mignonne, Kina, c'est bien, mais alors d'où viennent les rots, où ils vont, le. Et à quoi elle. Enfin, c'est vrai que niveau scénario, niveau trame de l'histoire, c'est un peu basique. C'est un peu merci d'avoir joué, mais avec plaisir. C'était un plaisir malgré tout. Voilà, bah j'écoute, je pense que j'ai fait à peu près le tour et de manière assez rapide, je pense, sur les points forts et les points faibles de mon point de vue. Si vous avez débloqué la difficulté maître, ouais, t'as qu'à croire, toi. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez compris quelque chose dans l'histoire que j'aurais loupé, des éléments que j'aurais laissé passer, si vous n'êtes pas d'accord avec moi non plus pour dire papy, non, n'allez pas me dire que c'est moche, par contre comme jeu, ça je vous. Non, c'est juste pas possible. Mais si vous avez d'autres éléments, allez-y, dites-le en commentaire, moi j'y répondrai, on peut discuter, on peut tout à fait échanger sur ce point-là. En tout cas, ce fut un grand plaisir à parcourir ce petit jeu. Il m'a pris plus de temps que prévu, puis il y a eu un trou un petit peu, enfin deux trous d'ailleurs, au milieu qui fait qu'on le termine assez tard, mais voilà, c'était vraiment, vraiment bien plaisant. J'espère que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir, que ce soit au niveau de la rétine, avec la beauté de ce jeu. Rappelons-le qu'à la base, ce studio ne fait pas des jeux vidéo, il fait des films d'animation, ceci explique sans doute cela, mais ils ont un vrai savoir-faire là-dessus, très clairement. Pack YouTube, allez, je conclue là-dessus, comme d'hab, pack YouTube, pouce, partage, abonnement, cloche, commentaire, etc. Vous savez tout ça par cœur. Moi, je vais vous faire tout plein de gros poutous. Je vais vous souhaiter, Papy Articule, une excellente fin de journée, une excellente soirée. Et je vais vous donner rendez-vous très bientôt. Alors, très bientôt, il y a la fin de House of Ashes en ce moment. Et puis après, on reprendra la troisième volet de la trilogie de Mass Effect Legendary Edition. Et puis surtout, Papy va commencer Skyrim. Ah oui. Ah oui, Papy a joué à Skyrim il y a 10 ans à sa sortie. Papy a rejoué à Skyrim à sa sortie sur la Xbox One. Eh bien, Papy va jouer à Skyrim sur une troisième console. C'est le GTA le GTA 5 de Bethesda, ça. Mais Skyrim reste Skyrim. Et je l'avais pas fait sur la chaîne. Eh bien, voilà, il va y avoir un let's play. Il va y avoir un let's play sur Skyrim. Voilà, qui durera, je sais pas combien de temps. On va peut-être partir pour 6 mois avec Skyrim. Encore que je ferai pas la totalité. Il s'agit pas de faire les 100%, loin de là du tout. Mais au moins faire la quête principale et quelques quêtes annexes et des épisodes d'exploration pour se balader tout simplement sur la totalité de la map. Voilà, allez, sur ce, je vous fais donc tout plein de gros poutous. C'était Papy, un live from la montagne des esprits, la montagne du destin. À vous les studios. Ciao.